Nous vous avons préparé ce soir une émission spéciale casserole que je vous promets riche en images inédites et délirantes. Ce soir, vous n'êtes pas vous de vos frises. Vous n'êtes pas vous de vos vieux frises. Si j'en perds mes mots, c'est probablement car notre première invitée est une bombe thermonucléaire. Elle mesure 1m81, dont 1m10 de jambes. Après avoir étudié la médecine pendant 3 ans, elle a finalement opté pour les podiums et c'est tant mieux. Que dire de plus, si ce n'est que c'est une des plus belles femmes du monde et c'est la première fois qu'elle vient aux enfants de la télé. Mesdames et messieurs, un triomphe chaleureux pour Adrien Lacarambeau. Alors, Je crois que je me suis trompé, c'est pas un 80, c'est 1m85. Exact. Oui, mais moi, je donnais les chiffres hors taxe, c'est pour ça. Notre invité suivant est crooner, c'est probablement le crooner préféré des Français. Son sourire hollywoodien a séduit les plus belles femmes du monde. Sa voix a conquis toutes les autres. Une ovation pour Monsieur Sacha Distel. Bonsoir, Sacha. Depuis déjà 40 ans, sa mère l'appelle Kikito. Adolescent, il avait la phobie des vestiaires. Sa passion, ce n'est pas une blague, et c'est vrai, c'est la plongée sous-marine en piscine. Mesdames et messieurs, c'est un grand ami que nous recevons ce soir, Franck Dubosc. Profitez de cet amour du public, car à la fin de l'émission, ils ne vous regarderont plus du tout de la même manière. J'en ai bien peur. Et vous nous donnerez quelques explications sur la plongée sous-marine en piscine. Il n'y a pas d'image. Hein ? Il n'y a pas d'image. On verra tout à l'heure. Notre invité suivant dans le tube, j'ai tout oublié, a été diffusé 14 800 fois à la radio. Mesdames et messieurs, une ovation pour l'excellent Marc Lavoine. Invité suivant a plus de 40 ans de carrière et 50 millions d'albums vendus. Il séduit essentiellement les filles de son pays. Depuis 1987, il est l'ambassadeur de la paix pour l'ONU. Mesdames et messieurs, c'est un plaisir que de recevoir M. Enrico Macias. Et enfin, last but not least, celui qui s'entraîne jour et nuit pour participer à la Star Academy. Mesdames et messieurs, Pierre Magic Tchernia. Bonsoir, Pierre. Bonsoir. Alors. Deux choses avant de démarrer cette émission. La première, je suis extrêmement déçu par Enrico et Sacha qui ne m'ont même pas dit merci de les avoir assis à côté d'Adriana parce qu'il y a eu gros tirage au sort avec contrôle d'huissier. Comment? Je l'ai dit, On est, sous l'effet de l'émotion, là. On peut plus rien dire, tu vois pas, Alors moi, il faut que je te regarde et puis sans arrêt, je fais comme ça. Mais toujours est-il, Adriana, que vous pouvez le constater... Apparemment, c'est vous qui avez perdu, les gars. Moi, j'ai peut-être rentré. Et alors... Mais à l'inverse, il y a rarement eu autant de beaux mecs dans une émission de télé, n'est-ce pas, Adriana? Ah ouais? Mais comment ça, ah ouais? En tout cas, je me trouve ravissante en... C'est, je sais pas, c'est une... ça, je ne sais pas si c'est une chemise de nuit de soie ou une robe un peu... Il y a un petit côté tyrolienne soubrette, il y a un petit quelque chose, hein? Je dors pas avec ça, moi. Vous ne dormez pas avec ça, c'est trop chaud.
Vous dormez avec quoi? Avec... Parce qu'avec qui, on sait, hélas. Et non, parce que vous dormez en pyjama, vous dormez en jogging, ça, vous je dormez... Ça, je pas. Vous dormez en quoi? Moi, je dors nu juste parce que je suis seul. Dans mon lit. Alors... Ça va, les garçons? Vous êtes bien? Je pleure. Peut-être qu'on fera une tournante. Enfin, on... Alors, j'espère que j'ai blessé personne. Ce que je voulais dire, c'est que peut-être que tout à l'heure, ce sont ces deux garçons avec Pierre qui viendront à côté d'Adriana. Ah, c'est une tournette et pas une tournante. Une tournette. Qui rime avec amourette. Exactement. Alors, ma première question est une tradition et je la pose toujours à la fille qui est invitée. Est-ce que vous aimez la fesse? J'adore la fesse. Je sais qui est ça, attention. Mais il ne faut pas me regarder droit dans les yeux comme ça, parce que moi j'ai 2 heures d'émission à faire, je ne tiendrai pas. Je suis sensible. I am sensible. My name is Captain Sensible. Vous aimez la fesse? J'adore la fesse. Ne vous penchez pas trop en avant, s'il vous plaît. Adriana, moi, je ne suis pas préparé à ce genre de choses. Attendez, vous pouvez me refaire. J'adore la fesse. Non, j'aime bien son humour, parce que c'est unpredictable. Pour vous, c'est notre première cadeau. Et pour... Vous parlez couramment de n'importe quoi, Arthur. Oui, oui. Pour vous, et c'est notre premier cadeau, voici des images de Jean-Yves Lafesse. Oh la vache. Ah, on a fait un gros caca ce matin. Voilà. Ah bah ça y est, vous l'avez pris. Vous pouvez le déposer dans la poubelle. Eh, oh, pareil que moi, hein. Quand j'ai arrêté de fumer, je me suis mis à bouffer n'importe quelle saloperie. Eh ouais. Jacques a dit debout. C'est bien. Bon, montez sur le cheval, s'il vous plaît. J'ai mis 300 balles sur vous dans la première. Il est quand même... Oh, la belle touffe. Non, je parlais pas du chien. Ouais, c'est pas con. T'en as, des cheveux? Non. Ah oui, il y a déjà un client. Pardon, excuse-moi. C'est beau, la mer, hein. Excusez-moi pour hier soir, mais c'est vrai que je suis monté comme un âne et ça fait des dégâts, je suis désolé. Excusez-moi. Pour vous que ça dure. Oh, mon Dieu! C'est un grand malade et nous l'aimons beaucoup aux enfants de la télé. Nous le retrouverons dans le courant de notre émission. Alors... Ce soir, entre autres de vos actualités, nous allons beaucoup parler de la cassette, le DVD que présente Franck Dubosc, hein, qui s'appelle Pour toi public. C'est ce ça. Sont mes Pour toi public. C'est Pour toi public. Mais avant d'en découvrir un premier, je vais vous poser une question. Est-ce que vous avez le pied marin? Est-ce que vous aimez la mer? Est-ce que vous aimez être au bord de l'eau? Adriana, vous aimez la voile, le bateau, la mer? Non, je préfère nager, mais bateau, ça me rend un peu malade. Vous pouvez nager derrière le bateau? Peut-être, ouais. Non, je n'aime pas trop les bateaux. Vous n'aimez pas, ça vous fait mal au cœur, hein. Tout peu, alors ouais. S'il y a quelqu'un qui s'est posé la question de savoir à quoi peut ressembler la vie d'un marin lors d'une traversée en solitaire, c'est bien vous, Franck. Tout à fait. C'est surtout que le public ne savait pas ce qu'était. Moi, je sais, j'ai vécu 345 jours sur un voilier. Et je pensais que c'était intéressant de montrer ce que ça pouvait être que la vie sur un voilier, n'est-ce pas? Ne regardez pas comme ça, mademoiselle. C'est mon joueur de foot préféré. Si un jour vous avez la chance de partir en croisière avec France Dubosc, Franck Dubosc. Mais France Dubosc, pourquoi pas, entre copines, hein? Oui. Y aller entre copines. Si au milieu du voyage, je vous ferai une surprise, je vous dirai que... Regardez ce qui vous attend sur le bateau, parce que Franck Dubosc, il a une manière bien à lui de traverser l'Atlantique.
avoir. C'est qu'en solitaire, t'es tout seul. Alors tu vois, ça c'est le carré, c'est l'endroit où tu te reposes, c'est l'endroit où tu peux manger aussi, ou bouquiner, peinard. Je te sers un petit verre d'eau. Ah, je les comprends, les Jacques Brel, les Antoine, les Carlos. Pouvoir partir comme ça. Moi, je t'offrirai le bienvenu de pays. T'es comment physiquement? Tu m'as l'air très bonne. Ben voilà, je suis allongé sur mon lit, je suis... Oui, Fox Bravo, ici Tango Charlie. Ton seul contact avec l'extérieur en solitaire, c'est la radio, hein, bien entendu. 2 degrés, quart sud-est. Je demande appel. Regarde, c'est Loïc Perron. Salut Loïc. Je suis désolé, je peux pas freiner. 23e jour de mer. Oh. Tout va bien. En solitaire, un journal de bord, c'est indispensable. C'est un petit peu ton album souvenir. Alors forcément, une croisière en solitaire, bah, c'est aussi le passage du Cap Horn. C'est aussi le passage du Cap Horn. C'est 3 jours sans se branler, hein, sans manger. Voilà, je crois que c'est bon. On l'a passé, c'est tranquille. Pas encore. Que demain je jouerai avec eux. Oui, bon, c'est sûr que au bout d'un moment, tout seul, tu perds un peu tes repères. Bonjour madame. Attention, un camion. Faut regarder l'esprit clair, quoi. C'est le principe. Tiens, attrape. Ce que t'apprécies le plus en solitaire, c'est de retrouver tes amis. À bientôt. Et chers amis, il y en a plein d'autres comme ça dans les pourtois publics. Vraiment, il y en a plein, on aura l'occasion d'en voir un ou deux autres. Je n'ai vomi que 4 fois. Hein. Oui. Ah, on va saluer les spectateurs qui sont peut-être à table ce soir, on est vraiment désolés. Ça vous a fait rire, ça vous a plu, Adriana? J'ai mal au ventre. Bon, forcément, c'est une vision de moi qui n'est pas exactement la meilleure, je veux dire... Quand même, quand on prend la liste de tous les comiques en France, il est quand même très beau. Il est très fort, j'ai vu votre spectacle, c'était l'année dernière, plus que 6 fois, je crois. 6 fois, vous l'avez vu? En DVD ou en vrai? Non, c'était passé en Grèce, en fait, c'était chaîne, je sais pas... Vous l'avez vu en Grèce? Oui. Vous avez vu ce moment où je chante La Paloma Non, c'est, écoutez, je suis flatté, moi, je... 6 fois. En Grèce. Je ferai jamais mieux. Alors, dites-moi les garçons, est-ce que... Je vous pose une question. Parce que... Nous avons vraiment à nos côtés l'une des plus jolies femmes de la planète. Et je voudrais vous poser une question à tous, et je parle surtout garçons. Qu'est-ce que vous regardez en premier chez une femme, Enrico? Moi, j'ai la vue basse. avec Adriana, vous êtes tombé pile... Non, on regarde tout, quoi. D'accord. Tout. Quand il y a une allure, on est attiré par tout ce qui... Tout ce qui concerne... Parce que, Enrico, si je peux me permettre, avec les gestes que vous faites depuis tout à l'heure, c'est Frankenstein. Elle part comme ça, elle fait comme ça. Je voudrais juste savoir, qu'est-ce que vous regardez en premier chez une femme, franchement? En ce qui concerne Adriana, par exemple... Par exemple? Ses cheveux. D'accord. Je regarde ses cheveux parce qu'ils cachent ses seins. Et vous, Marc? Marc, elle vient d'enlever les cheveux. Si elle est de face, je regarde son visage. C'est bien. Si elle est de dos... Je voudrais féliciter. Si elle est de dos, tu regardes ses fesses. Tu sais, ça va avec toi, tu sais. C'est le barreau du choix. Voilà. Et vous, qu'est-ce que vous regardez en premier chez un homme? Chez un homme, son regard, ses fesses. Ah, c'est dur de regarder les deux en même temps. Au péril d'attraper un torticolis. Mais bon, c'est après, en troisième?
Les jambes. Les jambes, hein, ouais. Il faut qu'il soit costaud, non, musclé. Non, peut-être les mains. Les mains. Oui. Ça va? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Excusez-moi. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a par terre, là? Que je vois là? Hein, qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est vrai qu'on on va pas tout axer sur la beauté, parce que vous n'êtes pas que belle. Non, puis on va parler de nous. Ouais. Et justement, qu'est-ce que vous aimez le plus dans votre corps, vous, physiquement? Et qu'est-ce que vous aimez le moins, parce que vous trouvez pas, donc qu'est-ce que vous aimez le moins? Ce que j'aime en vrai, c'est le nez. C'est vrai, vous aimez pas ouais. votre nez? Ouais. Qu'est-ce qu'il a? Je sais pas, je le trouve trop petit. Trop petit? Et ma caquette. J'y pense parce que je dis le mot trop petit. Ouais. Et non, parce que. Non, non, ça dit, c'est pas vrai. J'ai eu une époque chaussée du 39 et je fais du 42 maintenant. Donc vous voyez, tout grandit. Ouais. Mais voilà, sur les deux choses. D'accord. Que j'aime pas. Et vous, Adriana, qu'est-ce que vous aimez le plus chez vous? Bon, alors le moins. Le moins. C'est des questions dures. J'aimerais bien avoir les cheveux très très bouclés. C'est vrai? Mm-hmm. C'est marrant, c'est un truc de fille. Quand elles ont les cheveux raides, elles veulent avoir les cheveux bouclés. Quand elles ont les cheveux bouclés, elles veulent avoir les cheveux raides. C'est jamais contente. Oui, mais en même temps, c'est un truc qui facilement se change. Je veux dire, un coup de chez le coiffeur ou quoi. Moi, j'ai des trucs, c'est un peu plus compliqué à changer. Ça, c'est pas. Bon, c'était pas de mettre un bigoudi, hein. Alors. Là, on va ouvrir une. J'ai envie de dire ouvrir un chapitre. Hein. Ça fait toujours bien dire ça. J'ouvrirai un chapitre déguisement dans l'émission. Ah bon? Et malheureusement, Enrico, on va démarrer pour vous. Ah bon? Ah oui. Mais là, c'est pas vraiment déguisement. J'ai envie de dire stylisme. J'ai envie de dire... Parce que nous, on a la chance d'avoir quelqu'un qui est très branché fringue. Tu sais, vous êtes toujours à la pointe de la mode. Hein, on va le voir tout à l'heure. Et là on a trouvé des images qui datent de 84. Et vous chantiez en duo avec la grande, non pas Adriana, mais Annie Cordy. Et là... Tout est collector. C'est-à-dire que d'habitude, quand on regarde une image, on se moque d'un truc. Mais là, tout ce que vous allez voir, c'est du caviar. Je précise pour les fans d'Enrico que c'est du playback. Hein. Ça se voit parce qu'il y a une demi-seconde entre la phrase et la bouche. Mais au-delà de ça, regardez, vraiment, c'est beau. Et Enrico, après, je vous jure, on ne vous verra plus du tout de la même manière. Hein. Vive la Normandie, Made in Normandie. Regardez, c'était une émission qui s'appelait Numéro 1. Ah, oh, c'est beau ce torse velu, Enrico! C'est pas mal! En plus, si tu regardes bien ce que fait Enrico et tu regardes Chardin, les gestes des bras, les machins, et mais tout. Oui. T'avais dû le regarder. Parce que, évidemment, je faisais une parodie mais de... T'avais dû regarder les cassettes pour Made voir un peu... Normandie de Chardin. Et il fait ça, toujours. Il faisait toujours ça. Toujours. Vous êtes en train de dire que ça n'était pas Chardin? Je suis sur le cul. Vas-y, fais le malin, Franck, ça va être à toi maintenant. Alors, Franck, toujours dans notre thématique costume, nous avons la chance d'avoir quelqu'un parmi nous qui est totalement bilingue. À part Adriana, you fluent in English? Yes. Yes, me too, and one of the girls. All right, and snake. We've got Franck Dubouc. On peut passer au déguisement de Sacha Distel? Parce que, après... Ça va venir. Ça, c'est la chose vraie que vous avez dit depuis le début. Ça va venir. J'en ai une autre. J'ai dans mon salon une photo, d'Enrico. Oui. En pompier, avec le casque et tout. Non. Et je vous jure qu'elle vaut le détour. Il balance, hein. Je la garde. Ah oui. Tu te souviens? Ah oui. Enrico en pompier. Il fait un beau pompier. C'est vrai? Oui. Faut balancer avant l'émission. Ah, hein. Non, c'est quand même une drôle de décoration de mettre des photos d'Enrico Macias en pompier chez soi. Faut quand même non, y penser. Non, c'est à côté de l'extincteur. Je sens qu'il y a une vraie complicité entre vous et que Sacha fait diversion. Revenons à ce que j'appellerais le costume de l'année. Vous avez joué en anglais, ce qui est une qualité si vous voulez un rôle international. Et vous avez joué dans Highlander. Tu m'avais pas dit ça. Dans le feuilleton. Et ça, do you know that he played in... I think I saw it. Vous l'avez vu? En Grèce, ouais. Elle s'est fait toute une... Elle s'est fait toute un best-of de mes images.
Pardon ? Non, j'adore Franck, je crois que j'ai vu celui-là. Vous allez arrêter de le chauffer parce que d'abord, un, ça va nous faire des histoires. Arthur, allez-y, foutez-vous de ma gueule, tout ça, je m'en fous. Maintenant, ça y est, je suis braqué, je suis là, je suis en face, allez-y. Ouais, mais là, vaut mieux regarder les images. Hein. Merci Franck pour tout le bonheur que vous allez nous donner. Et je voulais vous dire aussi l'armure, s'il y a un truc qui vous va. C'est quoi ? C'est du Gautier ? C'est quoi l'armure ? C'est quoi ? Mais je n'ai jamais revu ces... C'est du J3 ? Non, c'est du très large. Mais c'est horrible. Voilà. J'ai un gros cheval, c'est ça ? Oh là ! Qui me marchait. Je ne montais pas dessus parce que j'avais peur. Voici Highlander. Ça me fait plaisir, c'est moi qui régale ce soir. Regarde. I am Duncan MacLeod of the Clan MacLeod. I am Michel de Bourgogne. Dad is what you have been, do not leave these lands. So young to be such a buffoon. You will pay for this insolence. Is it always like this? Deal with the boy, MacLeod. Ours is not a show to be seen. We'll discuss this later and I'll go. I'm defending myself! Now, Michel Bourgogne. Where were we? Ah, je vous avais prévenu, c'est une spéciale casserole ce soir aux enfants de la télé. Eh oui. Michel Bourgogne. The buffoon. Au début, quand en préparant l'émission, j'ai vu les images, je croyais que c'était un sketch. Moi. Mais c'est pas du tout un sketch. Hein. Eh ben, c'est pour ça que est-ce que vous avez vu c'est... quand je sors l'épée, elle est trop lourde pour moi, elle bascule. Michel de Bourgogne. Vous l'aviez vu ça, non? Oui, j'ai vu ça. Vous avez vu ça? Oui. Mais c'est quoi cette chaîne en Grèce? J'en sais rien, mais j'ai vu ça. Tu pirates la télévision de madame? Non, parce que je lui ai envoyé une cassette de tout ce que j'avais fait pour qu'elle dise du bien de moi. Vous pouvez nous faire such a buffoon? Such a buffoon. Parce que bouffon, au début, quand j'avais lu le scénario, je disais a bouffon. Et les mecs sont venus m'ont fait non, buffoon. Et donc, mais comment vous êtes retrouvé? Mais parce que je tournais un petit peu en anglais, et puis donc il y avait eu un casting de pour Highlander. J'étais allé au casting et j'avais décroché le. Ah, vous nous avez fait rire. Alors, on va accueillir quelqu'un qui fait partie des dandys de l'émission. Il s'agit de Nicolas Deuil. Oui. Bonjour Nicolas. Bonsoir. Bonsoir. Nicolas, c'est parti de nos chiens, cher Limage. Alors, ce soir, vous avez des belles images. Alors, tout comme d'habitude, les seconds plans, bien sûr, on va commencer avec des images d'un JT, celui de France 2. On a tous fait les soldes. Il y en a qui passent du temps derrière la porte et qui attendent le premier jour et la première heure des soldes, le rideau de fer. Et quand ça s'ouvre, ça donne ça. C'est pas beau à voir. Voilà, donc premier jour des soldes, on se bouscule. Et alors, bien sûr, dans la bousculade, il se passe des petites choses. Regardez bien au ralenti. Il y en a qui perdent des petits objets. On va revoir les images tout de suite. Un téléphone portable et c'est pas perdu pour tout le monde. Hop, c'est pour celui qui passe derrière. Donc lui, la journée commence plutôt bien, même avant les soldes. Donc soit c'est son copain, il lui rend. Faut avoir l'œil, hein. Ce qu'il ne met pas dans ces images, c'est que vous êtes un grand malade pour aller trouver ce genre de truc. Vous imaginez ce qu'il voit. Nous, on n'a pas le temps de voir tout ça. Hein. Alors, autre chose. Ne regardez pas comme ça. Donc après le journal de France 2, celui de TF1, donc avec un reportage dans une école où il s'est passé un petit malheur, je crois que le préau est tombé. Et les équipes de TF1 envoient un journaliste pour faire une interview d'un petit garçon. Et ça ne les démoralise pas du tout, bien au contraire. Donc voilà, c'est le matin, c'est la rentrée des classes, tout va bien. On va interviewer, vous allez le voir, dans la classe, un jeune garçon. Et c'est plutôt celui qui est derrière lui qui va faire son entrée dans le champ, qu'il faut bien regarder. Lui, il a vraiment le moral. Le préau qui est tombé, il s'en fout. Il est venu juste pour faire l'andouille. Et il le fait plutôt bien, hein. Il est mignon. C'est mignon. Oh, c'est mignon. C'est mignon.
Eurobest, ouais. L'émission, la finale européenne de la Star Academy, présentée par Nikos et la très très belle Estelle Lefébure. Seulement, il s'est passé quelques petites choses imprévues du côté espagnol, mais aussi du côté français. On va découvrir. Qu'est-ce qu'il y a ? J'ai hâte. On y va, Eurobest. Alors, ça, du côté français tout d'abord. Donc vous allez le voir, de la danse, de la robe de soirée, un peu moulante, mais qui peut vite, hop là, ça peut vite sortir. Et elle a fini tout le show, une main collée sur la poitrine, parce que la robe ne tenait pas du tout. C'est pas la première fois que ça lui arrive à cette petite. Hein. Je crois qu'elle le fait exprès. Ah non, 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 faut qu'elle contrôle, hein, il faut qu'elle contrôle. Hein. Contrôle pas le... Et donc elle a passé le reste de la chanson... Une main collée sur le sein droit. Alors ça, c'est la gagnante. Voilà, c'est la gagnante. Et du côté espagnol, c'est pas mieux, ça tombe aussi. Mais vous allez le voir, à force de se frotter, c'est la ceinture. Alors, en regardant de plus près au ralenti, regardez bien, c'est pas vraiment donc en se frottant, mais c'est son danseur, son propre danseur, qui en passant s'accroche et lui fait tomber sa ceinture, le petit malin. Ni vu ni connu. Ça, ce sont des inconvénients. Ce sont les inconvénients que nous n'avons pas, nous les hommes. On a un petit cadeau avant de, enfin, avant que je termine. C'est pour Adriana qui aime le sport, plutôt le ballon rond. Là, il s'agit du ballon ovale. Et vous... si, c'est un bon, petit cadeau. Et vous connaissez donc la délicatesse des rugbyman quand ils arrachent le short. Ce n'est pas seulement le short qu'ils arrachent, c'est tout ce qui va avec et en dessous. Et on pourquoi regarde. Vous dites que c'est un cadeau pour Adriana? J'ai pas bien compris. Bah, comme ça, bah, vous allez voir. Voilà, c'était juste la finale du tournoi, d'un tournoi. Voilà, donc c'est de la fesse de sportif, hein, légèrement griffée et bourriffée. C'est comme ça. C'est tout pour ce soir. Oui. Eh bien, c'est là-dessus que nous avons marqué une courte page de pub. On se retrouve avec beaucoup de casseroles juste après les réclames. Merci, Nicolas. Bonsoir à tous, soyez les bienvenus si vous venez nous rejoindre dans cette deuxième partie des Enfants de la Télé spéciale Casserole, toujours en compagnie de nos invités très en forme ce soir, à commencer par Monsieur Sacha Distel. À ses côtés, telle prise en sandwich, la sublime Adriana Carambeu. Bonsoir. Je ne sais pas si vous avez remarqué, elle nous a mis du soleil dans le téléviseur. Je rêverais, d'être, comme tous les garçons, d'être le petit nœud rouge de votre robe. Oh, c'est trop beau, mignon, hein, oui. Oh là là, en plus, il est top bien placé. Alors, à côté de vous, celui qui n'aura pas perdu sa soirée, hein, à part qu'il a un œil qui part beaucoup sur le côté depuis tout à l'heure. Je suis son défenseur, son libéro. Très bien. L'excellent Enrico Macias. Saluons aussi Marc Lavoine. Michel de Bourgogne. Et Pierre Tchernia. Alors, ma première question, est-ce qu'il vous est déjà arrivé de faire une interview et de ne même pas comprendre la question du journaliste tellement elle était porte-nawak ou un peu trop cérébrale? Comment? Est-ce que vous êtes déjà arrivé, le journaliste vous pose une question, vous ne comprenez pas du tout? Non. Ça m'est arrivé, moi. Oui, oui. Qu'est-ce que vous faites dans ces cas-là? Ben, je dis laï, 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 laï. Dans les images qui vont suivre, vous allez voir Benoît Poulvorde, qui réagit à sa manière. C'était en 90 au Festival de Cannes. Il venait de présenter Les Convoyeurs. Et figurez-vous, et ça c'est extraordinaire, c'est qu'il ne comprend pas la question du journaliste. Et c'est un fou rire d'anthologie. Regardez pour démarrer cette deuxième partie. Allons-y, monsieur Meillet. Alors, Les Convoyeurs attendent. Donc, c'est amusant parce qu'au départ, surtout toi, Benoît, tu attaquais sur Striptease. Donc Striptease, c'était une manière de fictionnaliser un documentaire. Et là, au contraire, c'est on va dire, documentariser une fiction. On commence. Et bon, tu peux pas faire une question plus simple? Si je veux le truc, je fais ta question. Personne n'a rien. J'ai bien compris quelque chose, sa question. De voir ton travail sur Striptease, tu as toujours cette volonté de mixer documentaire et fiction. Oui, ici, en plus, ici, c'était une vraie fiction. Avec des moyens. Mais complètement con, ce qu'il vous
Vous êtes con ou quoi, une bonne question, là? On a répondu. T'es con ou quoi? C'est horrible. On a fait. On a fait. Qu'est-ce qui se passe mal? Non, mais redis-le ce que tu viens de dire. Attendez, j'ai dit. Ah, fiction documentaire. Fiction documentaire, mon poil dans ta gueule, là, là. Il va se le prendre, mon poing. Hein. Bon, je recommence. Vas-y, vas-y. On dirait un réalisateur russe qui a son conseiller à côté. Je fais gaffe, moi. Je... Ok. Et mon meilleur septième. Donc ici, le but n'était pas de faire un reportage, enfin une fiction. Putain, bah, j'ai fini hier. Tu veux pas nous demander le menu de ce qu'on a bouffé là ce midi? Alors, on va faire plus simple. On va dire que tu as fait une fiction, mais dans cette fiction, tu as inséré tout ton passé de documentariste. Oui, il y a des... Je sais pas pourquoi, attends deux secondes. Non, c'est très bien. Il est... On commence, on la refait. Pile mon meilleur, fiction, réalité, 12e. C'est terrible. Ça fait du bien, hein. Vous êtes toujours au client des fous rires, hein, j'ai remarqué. Ah ouais, non, puis, avec lui, là, c'est en permanence. En plus, il est extrêmement drôle, il est extrêmement gentil, et puis il a un talent fou. Donc, quand tout ça est ensemble, c'est vraiment... Il est génial, ce mec-là. Paul Wolf, pardon. Ah oui, bien sûr. Bah écoutez, ça tombe bien, je vous propose de le retrouver, mais cette fois aux côtés de Gérard Lanvin dans un fou rire d'anthologie. Regardez. Benoît Poulvord, Gérard Lanvin, entre deux sushis. Donc on disait, ce film, c'est une comédie d'action, elle repose sur un duo d'acteurs. Vous êtes reparti dans des références, je sais pas, comme La Chèvre, Les Compères. Les références qu'on connaît tous, oui, bien sûr, c'est... Ah non, non, attends. C'est une volonté absolue de notre part de faire des films de ce genre, en se servant de ces références qui sont pour nous essentielles. Et quand vous avez accepté les rôles, vous saviez que ce serait avec ce partenaire-là? Non, je ne savais pas. aujourd'hui. Non, je ne savais pas. Je le regrette, excusez-moi. Ça a été si terrible que ça. Non, pas terrible. Non, non, non. Non, pas terrible, vous voyez. Bon, le film s'appelle Le Boulet, quand même. Vous voyez quand dans quel état je me trouve aujourd'hui, après un an de rapports très intimes avec... C'est ce qu'on appelle... Bon, reprenez un sushi, ça ira peut-être mieux après. C'est horrible. Je ne sais pas lequel des deux peut parler. Essayez de continuer quand même. Voilà. C'est ce style. Oui, pardon. Ce style de film, cette comédie d'action. Il y a Le Raid qui est sorti sur les écrans il n'y a pas longtemps. C'est un retour d'un style dans le cinéma français actuellement. Une tradition. Une tradition. Oui, c'est le retour du jeu. C'est horrible. C'est le retour du genre populaire. D'accord. Mais c'est dans le but de concurrencer le cinéma américain. Les gens heureux, regarde. Vous avez l'air fatigué. Un peu fatigué, non. Oui, un peu fatigué. Mais enfin, tout à fait ravi d'être avec vous ce soir et de parler du Boulet. Allons-y. En fait, c'est en Valais Centrale qu'il fera certainement le plus doux. Vu que l'on prévoit 16 degrés à Sion et que la bise ne souffle pas en Valais. Dimanche et lundi, probablement peu ou pas de bise, mais encore une nébulosité changeante à l'ouest. C'est difficile de terminer avec vous. Ainsi qu'en Valais, et franchement nuageux avec quelques précipitations sur le Tessin. Voilà, on va terminer ce 23-15 comme ça. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous avec l'info, c'est demain 12h45. Très bonne nuit et très bon week-end. Qui joue d'un instrument autour de cette table? Enrico, la guitare? Bah, con, hein. J'ai joué de la batterie, moi. Si vous ne me demandez pas, Arthur. J'ai joué de la batterie. J'ai joué de la batterie, mais j'ai pas de rythme. Ah. Donc je jouais très mal de la batterie et j'avais un groupe qui s'appelait Résistor. De Résistor, c'était les années 75-76, j'avais 2 ans à l'époque. Et on a joué 2 jours.
C'est on vrai. A répété une fois, ils ont vu que je savais pas jouer. Parce que j'étais derrière, si vous voulez, à un moment donné, je jouais derrière. Puis ils m'ont dit, est-ce que tu peux arrêter de jouer? J'ai dit, ok, mais je fais toujours partie du groupe. Ils m'ont dit, ouais, tu fais toujours partie du groupe, mais tu joues pas. Non mais, je vous jure, c'est différent. J'étais derrière, je jouais pas. Alors, je restais comme ça. Sacha, vous, à une époque, vous chantez une chanson qu'on a tous aimée de Gainsbourg, qui était Les Grenouilles. Vous vous souvenez de l'air des Grenouilles? Oui, on n'est pas des grenouilles, on n'aime pas l'eau, on n'est pas des grenouilles. Parce qu'en fait, c'est une chanson, j'ai fait la musique et Serge avait écrit le texte. Et il m'avait dit, tout le monde veut faire une chanson, on va mettre toutes les rimes en houille, mais on va pas mettre la bonne, bien sûr, toutes les rimes en houille. Et j'ai la sensation que j'ai pas réussi cette chanson comme j'aurais dû musicalement. Parmi toutes les chansons que j'ai écrites, c'est peut-être celle que je regrette de ne pas avoir assez bien faite. Et pourtant, elle fait partie de la mémoire collective, comme celle... Que, alors, on va revoir des images où vous chantez donc, Les Grenouilles, mais... Habillé. Avec la chorégraphie c'est et magnifique. Tout ça. Ça c'est, là, on rentre dans... Il y a la casserole, une étoile, deux étoiles. Là, vous êtes en première page du Michelin. Pardon, Sacha. À cause de lui, nous, on ne voulait pas. C'est lui qui a exigé. Et Enrico, une chanson qui est sur toutes les lèvres, et pourtant, il y a longtemps que vous n'avez pas chanté, c'est Oompa Lélé. Oompa Lélé. Oompa Lélé, c'est rentré dans le dictionnaire. Mais oui, Oompa Lélé. Alors là aussi, chorégraphie, effets spéciaux, Steven Spielberg. Alors, je sais ce qui m'attend. L'une date de 80, l'autre de 75. Ah, mais c'est bien. Régalez-vous. On est tranquille, ce sont les enfants de la télé. Et je vous l'ai dit au début de l'émission, il y en aura pour tout le monde. On est noir comme la houille, on se dit des mots. Et après l'école grenouille, vous allez voir, c'est l'école oiseau. Enrico, il faudra quand même à l'occasion nous donner à la fois l'adresse de votre tailleur et de votre coiffeur. Hein. Tout le monde parle anglais. J'ai posé la question tout à l'heure. Oui, hein, vous parlez bien anglais, on l'a vu. Et vous, Marc, vous êtes bilingue en anglais? Complètement. Vous parlez combien de langues, Adriana? Je parle français. Slovaque, tchèque, russe. Russe. Tout petit peu italien. Ah oui? Vous parlez italien? Un tout petit peu. Ah si, bien. Que belle seille. Ah là, on a Franck qui est mort de rire. Hein. Et non, pourtant, non. C'est de lui qu'on va rire dans un instant. Oui, nous avons ici, sur ce plateau, un comédien bilingue qui a fait ses preuves dans Highlander. C'est une superstar en Angleterre, et d'autant plus qu'il a su jouer des rôles d'aventurier, comme on l'a vu dans Highlander, mais de grand romantique. Oui, en 87, vous avez été le héros de Coronation Street. C'est vrai. Vous le saviez, ça, Adriana? Non. Est-ce que c'est passé en Grèce? Je veux voir tout à l'heure, je crois que oui. C'est celui-là, vous étiez à la porte, là? Oui. Voilà. Mais comment, vous avez vu les images avant? Non, mais c'est pas possible. Si vous étiez passé au bureau, je m'en serais aperçu quand même. Comment vous connaissez toute la bio? J'aime beaucoup Franck. Vraiment. Franck, hein. Et moi, vous avez vu quoi par les enfants de la télé? Parce que j'ai vu, vous étiez presque nu, en fait. Moi, presque nu? Ouais. Oula, qu'est-ce qui passe en Grèce? Il y a les trucs là. Nous avons les images, Arthur. Si. Vous m'avez vu nu? J'ai vu votre fesse. Et vous avez vu mes fesses? Mm-hmm. Alors, je veux bien qu'on parle de tout, mais la vie privée, on doit la garder pour nous. Et alors, vous avez pensé quoi? Ça m'a pas frappé, vraiment. Ah, attention. Elle commence à devenir sympa. D'habitude, tu frappes avec ses fesses. Je suis d'autant plus humilié qu'elle a dit qu'elle regarde en premier ou en deuxième les fesses chez un homme. Ouais. On peut revoir quoi? Votre fesse. Même pas en rêve. Non. Allez, on va enchaîner, car tout ceci n'a pour but, je l'ai bien compris, de me dévier de mon droit chemin qui est Coronation Street. 22 millions de téléspectateurs. Un joli petit foulard. Un petit blouson de cuir. Et de beaux cheveux longs. Franck Busk, en 87, était déjà une star en Angleterre. C'est marrant parce que je suis sûr que le public français ne le savait pas. Ouh là là, dis donc. Vous allez voir dans les images qu'il essaye désespérément d'embrasser une beauté locale. De quoi? La prochaine étape, c'est un chien. Pour... Ah ouais. Mais arrêtez de vous foutre de ma gueule. Enfin, je suis venu là pour m'amuser. Et là, qu'est-ce que tu me fais, toi? Je suis désolé. Hein? On regarde, Franck? Ouais, regardez si vous voulez. Moi, je regarde pas. Regardez Adriana, parce qu'après, vous le verrez plus de la même manière. Truth and honest. They are the same words, aren't they?
Il faut savoir que c'est tourné dans le nord de l'Angleterre, à Manchester, et ils ont un accent très particulier. Je ne comprenais absolument rien de ce qu'ils me disaient. Ce fait que j'avais demandé à ce qu'on me donne, qu'on me fasse des signes de la tête pour savoir quand je parle. C'est-à-dire que j'avais l'acteur en face qui me disait... Oh, je donnais ma réplique. Je ne comprenais rien à ce qu'il me disait. Alors, ce qu'on ne sait pas, c'est est-ce que vous avez réussi à vous la faire à la fin? Oui, on a des baisers, oui, oui. Non, ça veut pas dire, ça veut dire on s'est embrassé. Ah, j'ai compris un seul mot. Moi, je me dis, c'est quoi ce nouveau mot que je connais pas? Voilà, pour des trucs. Alors, est-ce que vous regardez des jeux comme le maillon faible, qui veut gagner des millions? Ce sont des jeux auxquels vous aimeriez participer? Moi, j'adore Question pour un champion, mais j'y ai participé. C'est vrai. Ouais. Mais le problème avec Question pour un champion, c'est très bien, mais il faut être bac plus 17 et on repart avec un dictionnaire. Et alors, vous, Marc, vous aimez bien passer à la télévision quand il y a des jeux, hein? Passer dedans. Ouais. J'ai fait Qui veut gagner des millions avec Jean d'Ormeçon. Je me suis bien marré. C'est vrai. Ouais. Et ouais. Sinon, quoi d'autre? Vous avez fait d'autres jeux? Non. Non? Si, j'ai participé au jeu de 20h quand il y a des chanteurs qui allaient chanter là-bas. Ouais. Sinon, je crois pas. Non, non. Ah ouais. Ça, c'est. Elle est béton, votre mémoire? Ah ouais, moi, j'ai une grosse mémoire, comme les éléphants. Donc, à part les jeux de 20h et Qui veut gagner des millions, vous n'avez pas fait d'autres jeux? Ah, si, mais il y a très longtemps. L'Académie des Neufs, j'ai fait. Mais il y a longtemps, c'est ça. Bon, je vous laisse. Hein? Non, c'est pas ça, c'est autre chose. Non, c'est ça. Salaud. J'étais enfant, j'étais jeune. Alors, soyons indulgents, il était jeune à l'époque. La question était dure. Hein. Et alors, c'est marrant comme quoi, entre 84, l'époque de ces images, et aujourd'hui, vous avez pris contact avec la mode, hein, parce qu'à l'époque, au niveau du look, c'était plutôt... Il y avait un gros... Un laisser-aller. Un gros... C'est même pas un laisser-aller, à ce niveau-là, il y avait rien du tout. Vide, hein, on sent que c'était un peu une espèce de patchwork. Hein. C'est vrai. Mais c'est très sympa, vous allez voir. L'Académie des Neufs, un jeu qu'il avait oublié, mais Dieu merci, nous sommes là pour s'en souvenir et pour en rire. Ben, j'ai joué avec Marc Lavoine. Avec Marc, et pour essayer de contrer votre adversaire, voici la question, Marc, écoutez bien. Jenny Jérôme, qui vécut à la fin du siècle dernier, passa à la postérité parce qu'elle inventa le cocktail Manhattan. Elle est connue, cette dame, pour une autre création, j'allais dire plus humaine. Laquelle? Top chrono, 30 secondes. Alors, il ne faut pas souffler surtout. Elle est connue pour une autre création, à part son cocktail, plus humaine. Donc c'est sans doute la maman de quelqu'un. Son fils. Est connue. Comment elle s'appelle? Elle a eu une très grande responsabilité dans la conduite de l'Angleterre pendant la Deuxième Guerre mondiale. De qui? Conduite à gauche, bien sûr. Bien entendu. Pas d'idée, Marc? Non, absolument pas. Qui personne ne. Ah, est-ce que son fils? Mon Dieu. Voilà, j'ai il fumait le cigare. Alors. Au berceau. Laurence Badi, donnez-moi votre réponse. Qui était Jenny Jérôme? C'était. La maman de Winston Churchill. Elle a épousé Lord Randall Churchill et mis au monde un bébé prénommé Winston. Eh oui. À vous, Annick. Avec Marc Lavoine, toujours. Avec Marc Lavoine. Ah, ils ont décidé de casser. Une autre question, j'espère que vous allez répondre, parce qu'on a besoin de cette ligne. Annick en a besoin, en tout cas. Maître Perrotin, qui vécut au XIIe siècle, est le premier connu d'une lignée qui ne cesse de s'allonger, laquelle? Qui était donc Maître Perrotin? C'est la question que je vous pose. Top chrono. Le père de Claude Brasseur? Un homme de loi. Vous pouvez me poser une petite question, monsieur. Qu'est-ce qu'il faisait, ce monsieur? Il était homme de loi? Non, ou... c'est la question que je vous pose, en fait. Hein. C'est le... Bon, je non, sais c'était pas un homme de loi. Musicien, peut-être. Alors? Un violoniste? Non. Il est continuez. Une grande famille. Comment? Un musicien. Oui, et donc, élargissez un petit peu. Luthier. Il a fabriqué les instruments de musique? Non. Oui. Est-ce qu'on va accepter la réponse? En fait, c'est le premier des compositeurs de musique connu, le premier dont le nom est parvenu jusqu'à nos jours. Alors la question que je pose au grand jury, c'est de savoir, vous avez dit musicien. D'accord, bonne réponse donc de Marc Lavoine, ce qui nous permet de tracer enfin une ligne, non sans mal, je dois le reconnaître. Ça fait une bonne réponse. Alors, Adriana, est-ce qu'avant de rencontrer votre mari, vous vous intéressiez au football, franchement? Pas du tout. Mm-mm. Et aujourd'hui, vous êtes obligée de vous y intéresser. Non, mais j'aime bien regarder ce qu'il fait, mon mari. Ouais. Et nous, on a des grands fans de football autour de cette table. Il y a Enrico. Vous avez démarré le foot à Constantine, j'adore, c'est ça, tout jeune?
Vous avez même composé l'hymne de l'équipe de France en 86, c'est ça ? 86 pour le Mexique, oui. Viva les Bleus. Viva les Bleus, oui. Alors, en préparant l'émission, vous avez demandé à revoir... J'étais dans le disque. C'est pas vrai ? On avait fait un disque. Mais les deux, là, vous en avez fait des trucs ensemble. Ah bah, hein, on espère que ça se saurait pas, mais... Rassurez-vous, on a tout. Mais vous avez souhaité revoir la finale de France-Italie de l'Euro 2000. Ah ouais. Grand moment de télévision et de sport. Tout le monde s'en souvient ? Oui. Vous en souvenez, Adriana ? C'était encore plus fort pour moi, celui-là, que... Plus que la finale de la Coupe du Monde ? Pourquoi ? Parce que c'était vraiment presque perdu. Dernière minute ? Ouais. Non, mais ce qui est extraordinaire, c'est qu'on a reçu Patrick Bruel dans cette même émission qui nous disait que 5 minutes avant la fin, il était tellement dégoûté qu'il est sorti du stade. Il a raté le but, l'égalisation et la victoire. Mais vous étiez où ce soir-là, Franck ? J'étais chez des amis à Rouen, j'ai retardé mon départ pour voir la finale et puis voilà. Alors, pour vous, les vacances de rêve, c'est quoi ? Pour vous, Adriana, des vraies vacances pour le rêve. Honnêtement ? Honnêtement, on va aller. Non, en mentant, vraiment en mentant. Honnêtement. À la maison, chez moi, en Slovaquie, avec ma c'est famille. C'est ça vos vacances de rêve ? Oui. C'est pas la plage, le sable chaud. Elle habite à Malibu. Non, non, parce que vraiment, j'ai voyagé beaucoup et puis me retrouver à la maison chez moi, c'est une vraie vacance. Moi, ce que je ne vous souhaiterais jamais, c'est de passer des vacances avec Franck Dubosc. Je vous propose de revoir des images tirées de la magnifique cassette « Les pour toi, public » où Franck nous explique son style de vacances. Et pour vous, c'est le camping, Franck. Hein. Je voulais de la même manière expliquer au public ce qu'était un campeur, ce qu'était le camping. Je connais bien ça, donc c'était la moindre des choses. Et je vais vous l'offrir, Adriana. Merci. Parce qu'il est en ange, voyez-vous. Il est tout en blanc. Et c'est normal, je fais plaisir au public, je suis en ange. C'est tout à fait normal. Regardez, Franck Dubosc en campeur pour toi, public. On dirait un dieu grec. Alors tout d'abord, le campeur sur l'autoroute à force... Oh non, merde ! Oh, on m'a volé ma caravane ! Oh non, merde, merde, non ! Ah non, elle est là ! Oh putain, j'ai peur ! Oui, le campeur est très attaché à sa caravane. En plus, là, une 6 places. Allez, Cahors, Châteauroux, direction l'Espagne. Cadaqués ! Salut, Gilbert ! Ça va ? Hey, t'as changé de femme ? Superbe ! Tu prends l'apéro ? Tu prends l'apéro ? Tu prends l'apéro, hein ? Salut Nanar, ça va ? Wow. Tu prends l'apéro ? Tu prends l'apéro, hein ? Hey, salut Jean-Pierre ! T'es revenu, toi ! Tu prends l'apéro ? Oui, le campeur aime retrouver ses amis d'une année sur l'autre. Jackie ? Excusez-moi, Madame Goubert ! Le campeur, et ça, tous les scientifiques te le diront, se déshydrate deux fois plus vite qu'un homme normal. Surtout quand il fait beau. Et en même temps, remarque ici, comme on dit, hein, pastis partant bleu, pastis délicieux. Franck, t'as du PQ ? Ouais. Salaud, oui, le campeur a beaucoup d'humour. 51 ! Waouh ! Hey, salut les filles ! Hollandaise, anglaise ? En tout cas, joli petit cul. You want to fuck with me? Ouais, bien évidemment, le campeur est bilingue. You take the apéro? Tu sais qui baise? Oui, le campeur vit en osmose parfaite avec ses voisins. Tu prends l'apéro, José? Pastis de nuit? Pastis aussi. Ah, oh, putain, José, tu fais de la publicité pour le cassoulet ou quoi? Alors, c'est pas toi, t'as qu'à dire que c'est moi pendant que tu y es. Oui, le campeur a une forte résistance à la vie en communauté. Allez, bonne nuit. Là, c'est moi. Oh putain, le con. J'ai fait ça dans mon duvet. Hop, 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 pas plus que le bord. Ah, oh. Bon, bah. Azidane, hein? Oui, le campeur adore rendre hommage. Ah bah, tu sais qu'il y a mis un poil de pubis sur mon pastis, là, les gars. Oh, ah, en même temps, pastis poilu. Un pastis, quand même. Le spring lui va si bien. Quel bonheur, les vacances avec vous, Franck. Vraiment, c'est un vrai bonheur. Hein. Bon, je vous propose d'accueillir Sophia Aram, qui va nous parler d'Internet. Alors, ce soir, Sophia va nous présenter les images les plus décadentes que l'on peut trouver sur Internet. Avec, pour commencer, deux leçons de séduction. Alors, ce sont des leçons, mais je vous déconseille de les suivre parce que c'est pas très probant. Regardez. Regarde. Just not good with the ladies, like you said. All right. Try this on her.
Hi, I'm Paul. You have beautiful eyes. Hi, I'm Paul, and you have beautiful eyes. I'd love to take you out sometime. Love to take you out sometime. So how much? So how much? For the great taste that won't fill you up and never let you down, make it a meow no. Ladies, you know, the ocean has many voices, and it's saying, why don't you two join this handsome gentleman for a Bud Light? All right, that's what I thought. I gotta try that. Ladies, it's the ocean, and it's telling me... With a great taste that won't fill you up and never let you down. Make it up. Autre chose, Sophia ? Oui, alors un grand classique sur Internet, des chutes, on en trouve souvent. Alors la première en gymnastique. Bon. Et la seconde, c'est un petit enfant qui a vraisemblablement besoin de lunettes. Regardez. Donc là, c'est le cheval d'Arçon, il saute les uns après les autres et pouf. Ça s'appelle une chute en cascade. C'est une très très belle gamelle. Voilà. Oh le pauvre. C'est une mauvaise évaluation, tout simplement. C'est ça. Alors rassurez-nous, plus de peur que de mal. Aucun enfant n'est mort pendant cette séquence. On a mal, hein. On a mal pour l'enfant. Mais c'est drôle quand même. Et depuis, il a des lunettes et ça va mieux. Il bouge bien le nez. C'est ce qui l'empêche de se rattraper sur le sol, d'ailleurs. Hein. C'est le fait qu'il a... C'est affreux. Autre chose ? Oui, pour terminer, alors, vous savez, sur Internet, on trouve des choses assez uniques. On n'arrive pas à les qualifier parce que ça rentrerait dans aucune case ailleurs. Voilà, je ne sais pas quoi dire d'autre. Peut-être un cadeau pour vous, messieurs, sinon... D'accord, Sophia, voilà. Regardons. Non, c'est la case, je dirais que c'est la case équitation. La case, Pourquoi pas ? C'est tout pour la ce soir ? Oui. Et bien, c'est là-dessus que nous allons marquer une courte page de pub. On se retrouve juste après avec nos invités, les enfants. À tout de suite. Bonsoir, bonsoir. Soyez les bienvenus dans cette troisième partie des enfants de la télé spéciale casserole. Toujours en compagnie d'invités très en forme. Ce soir, il y a six garçons pour une seule femme. Mais quelle femme ! Mesdames et messieurs, c'est la princesse de notre soirée, Adriana 42. Bonsoir, Adriana. Alors, vraiment, hein. Ah, vraiment. Vous ne pouvez pas savoir comme nous sommes contents de vous avoir avec nous ce soir. On en parlait pendant la pause avec Franck Dubouc, qui me disait vraiment... Elle est très gentille. Elle est très gentille. C'est une fille très gentille, très agréable, très sympathique. Vraiment, je la trouve dynamique. 06, 10, 43. Vraiment bien. On va démarrer tout de suite avec des images de Cadéo. Et ça vous fera plaisir, Marc ? Oui, j'adore. Quelle bonne surprise. Cadéo Olivier, une petite compile de tous ces chanteurs foireux qui font le bonheur des téléspectateurs des enfants de la télé. Regardez. Jean-Charles mange micro. L'émotion sentimentale à fleur de peau. 12 chansons d'amour sur le double album. Jean-Charles mange micro. Jean-Charles à peu près chante à peu près les succès de Florent Pagny. Dis-moi, pourquoi tu fais ça là ? Pourquoi là 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 ? Pourquoi là 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 ? Pourquoi tu dis ça ? Comédie Musique présente Jean-Michel Savard. Bonsoir ! Ça va ? Jean-Michel, ça va, l'album est plus beau, ça va, avec en bonus track le tube Ça va, pointe à pitre, avec l'accent créole. Ça va, pointe à pitre ! Jean-Michel, ça va, un artiste essentiel.
fait rire, Enrico. Hein. Ah, c'est bien. Marc, vous êtes fan, hein. Il est en pleurs à chaque fois. Non, mais ils ont des trucs. Ils ont fait un film avec Gérard Darmon, je crois que c'est... Ils sont irrésistibles, les deux, vraiment. C'est vraiment très, très drôle. Bon, séchez vos larmes, ou plutôt, on va pleurer cette fois-ci de rire et de joie, ah. Car Enrico, c'est vrai qu'on l'a dit tout à l'heure, on a évoqué votre carrière, 50 millions d'albums vendus, ce qui est extraordinaire, et puis aussi une carrière au cinéma, avec ce rôle dans La vérité si je mens, et pourtant, ce n'est pas de ça dont je voudrais vous parler. Il y a un grand rôle d'Enrico qui est passé sous silence, j'ai envie de dire, et c'est bien dommage. Puisque vous avez eu cette chance, je veux dire, c'est un film privilège, non pas de jouer dans Coronation Street, comme le duc de Bourgogne, mais vous avez joué dans Maggie. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai. C'est exact. Avec Rosie Vart et Roger Pierre... Jean-Marc Thibault. Et c'est vrai que c'est un très, très bon souvenir. C'est première fois que je jouais la comédie. Et C'est ce qui explique ce qu'on va voir alors. Je me rappelle, j'étais plombier. Voilà, et votre rôle, vous appelez Monsieur Banrico à l'époque. Ça, je me rappelle pas. Ah, ça, c'est magnifique. Ça, c'est une belle leçon d'espoir pour tous ceux qui voudraient faire de la comédie. Ça date de 86. Et l'épisode s'appelait Échec aux maths. Oui. J'étais prof de maths, et puis ils avaient besoin d'un plombier. Bon, je crois qu'on n'a pas plus besoin d'explications. De l'histoire. Ne donnez pas la fin. Ne donnez pas la fin, je vous en supplie. Regardez. Voilà. Bonjour, Madame Boissier. Excusez-moi pour le retard. Non, c'est rien. Vite, c'est urgent. C'est un problème de robinet. Ah ben, le problème de robinet, c'est ma spécialité. Ne vous inquiétez pas, Madame Boissier. Tant mieux, venez vite, parce que le l'évier est par là, vous voyez. L'évier? Mais oui, pour le problème de robinet. L'évier pour le problème de robinet. Oui, venez vite. Oui. Voilà, vous avez tout ce qu'il vous faut, hein. J'espère. À vous, maintenant. Voilà, l'évier est à vous. Surtout, venez. Oh, il a une jolie voix, hein. Il me rappelle quelqu'un. Il a dans les yeux le bleu qui manque à son décor. Ça y est? Ah, ça fait du bien. Qu'est-ce que c'est? Mais ça venait de là, la panne. Mais qu'est-ce que c'est que cette cochonnerie, là? On dirait un carnet de notes déchiré, là. Oh, mais oui, c'est celui de mon petit-fils. Il faut le cacher, il faut pas que sa mère le voie. Ou voilà. Surtout pas, hein. Ouh. Parce que déjà que son prof de maths, c'est un vrai tortionnaire. Oh là, bon, il faut quand même pas exagérer. Nombreux sont ceux qui ont joué dans Maggie, puisque Sacha, vous avez joué dans Maggie. Vous faites tout pareil, hein, Enrico. Oui, on s'aime beaucoup. Je voudrais qu'on parle de l'actualité d'Enrico, c'est cet album Orange Amer, le single qui porte le même nom, je le montre à la caméra. Ce qui est bien avec vous, c'est que vous vous adaptez toujours à l'air du temps et on vous trouve là où on ne vous attendait pas. C'est-à-dire que depuis quelques années, vous étiez retourné aux sources de la musique orientale et là, hop, vous êtes de retour avec un album en français composé avec de grands noms de la chanson française, écrit avec entre autres Art Mengo, Ken, Vasco Martí, Jean-Loup Dabadi. Alors racontez-nous cette nouvelle aventure. Ben, je la dois à mon fils, Jean-Claude. C'est lui qui m'a présenté ses nouveaux auteurs, ses nouveaux compositeurs. C'est lui qui a fait le concept de cet album. Je me suis mis complètement entre ses mains. Et je ne le regrette pas parce que vraiment, pendant 40 ans, j'ai tout fait moi-même, tout seul. Et là, pour une fois, je me suis laissé guider par mon fils, Jean-Claude. Et voyez le résultat. Alors, ce sont des sublimes chansons. À l'intérieur, il y a des titres magnifiques comme Mes Andalouses, Ma Liberté, Maison Blanche. Vous serez le 15 novembre 2003 au Zénith de Paris. Et nous sommes ravis de ce retour avec de très belles mélodies. Alors, c'est difficile de parler de chansons à la télévision quand ce n'est pas une émission de variété comme Les Enfants de la Télé. En tout cas, moi, j'ai eu la chance d'écouter cet album. Il est magnifique. Je le remonte à la caméra. Je voudrais qu'on applaudisse Orange Amer, l'album d'Enrico Macias. Et le single qui va avec. Et là, je voudrais vous poser une question. Est-ce que vous êtes nostalgique d'une époque, je ne sais pas, les années 80, les années hippies, les années yéyé, je ne sais pas, Adriana? Je ne sais pas, peut-être les années 80. Les années 80. J'ai raté tout ce qui était musique, en fait. Je n'avais pas, pas radio, mais même... Vous n'avez pas un tourne-disque? Non. Non? Non. Comment vous faisiez... J'avais vraiment, jusqu'à l'âge de 16 ans, je n'avais rien, alors j'ai raté tout ça. Non, mais... Oh non!
Et vous n'aviez pas un doute que vous... Je vais remettre une bûche dans la cheminée. Alors, on va remonter dans le temps et nous allons retrouver l'époque où on chantait l'amour et la paix aux quatre coins de la planète. Et on a trouvé de belles images de vous, Sacha. Ah bah, Sacha, chemise Sacha violette. Hippie. Sacha en duo avec une de ses ex, on va dire, et pas n'importe laquelle, Brigitte Bardot. Vous êtes accompagné à la guitare par Serge Gainsbourg. Vous vous souvenez de ces images? Ouais, c'est un superbe document. L'émission, c'était un show qui s'appelait le Show Bardot. Ça date de 1968 et ces images n'ont pas pris une seule ride. Regardez. J'aime pas le kid. J'aime pas Charlie. Mais j'aime faire la bise au rire. C'est un beau document, hein? Alors, moi, j'ai découvert que Serge Gainsbourg savait jouer de la guitare, je savais pas. C'est une guitare sitar, mais c'est lui qui avait écrit la chanson et il aimait toujours les choses exotiques comme ça, alors il avait eu l'idée de ce gros sitar, on a eu du mal à trouver du reste. Ah, quelle belle époque. Bon, on va parler de l'actualité de Sacha Distel. Et il nous a fait l'honneur d'avoir choisi les enfants de la télé avec un double album. Un en français, un en anglais. On va commencer par l'anglais, qui rend hommage au musical américain avec des standards, My Funny Valentine, What a Wonderful World, All the Way, en duo avec Liza Minnelli, je crois. Oui. Et il y a plein, il y a un duo avec John Warwick. Oui, deux même. Deux avec John Warwick, c'est quoi? C'est The Good Life, c'est ça? Oui, When I Fall in Love. Alors, au total, 13 grands classiques américains. Ça s'explique, hein. C'est parce que j'étais à Londres où je jouais Chicago, et tant à Londres, je faisais de la télé là-bas aussi pour chanter autre chose que les chansons de Chicago, et j'ai eu l'idée, l'envie de faire ce disque qui me faisait un petit peu, pour employer un terme de cinéma, le fondu enchaîné entre le musicien de jazz que je suis au début de ma carrière et que je suis toujours, et le chanteur populaire. Donc c'était une bonne façon. Puis après, revenant ici, je me suis quand même, je n'ai pas arrivé en France et ne chantais qu'en anglais. Et on a eu l'idée de faire un album de 14 chansons dont j'ai écrit toutes les musiques, avec des jeunes auteurs aussi, Patrice Guirao, Sylvie Matisse, Brice Holmes, Darian Martinov. Et une chanson... Charles Aznavour. Charles m'a fait l'amitié, le plaisir d'écrire un texte sur lequel j'ai fait une musique aussi. Alors, l'album en anglais s'appelle But Beautiful, oui. Et l'autre, Envers et Contre vous. Vous retrouverez les deux réunis. C'est magnifique. C'est Sacha Distel comme on aime. En anglais, en français, de très très belles chansons. On a d'autres images très rigolotes de vous, mais je dirais qu'on applaudisse très fort. Qui l'a écouté? Moi, j'ai eu la chance d'écouter, c'est formidable. Je vous l'offre, Marc. Allez. Je l'offre à Marc Lavoine. Merci beaucoup. Merci de ton amitié. Bien, on va revenir avec vous, Franck, puisque vous êtes le tombeur de cette émission et vous avez joué dans un polar. Ah! Tu peux aussi dire non. Oui, oui, j'étais pas le seul. Hein. Il y avait d'autres acteurs. Hein. Alors, ça date de 86, et là, vous draguez, et là, vous prenez un râteau colossal. Je vous ai jamais pris une veste comme ça, et c'était Clémentine Sélarié. Il n'a pas que du succès, Adriana, avec les femmes. On regarde? Ça m'étonne. J'ai envie de t'embrasser. Écoute, recommence pas. Lâche-moi. Écoute, raconte-moi plutôt comment tu vas. Ça fait des semaines que j'ai pas eu de nouvelles. Chaque fois que je viens, j'ai envie de toi. Mais pourquoi est-ce que tu t'acharnes sur moi? Tu sais très bien qu'il y a tellement de jolies filles qui seraient heureuses de t'avoir. Hein? Moi, je ne suis qu'un vieux machin. Hein? Arrête, je t'en prie. Je suis plus un gamin quand même, merde. Dis-moi que je te plais pas, puis c'est tout. Si, écoute, fais-moi un petit sourire. Je vais faire un café. Ça va. J'ai eu peur. Vous avez vu dans la scène, le chapeau, il arrive deux fois sur le canapé. Je le jette, il se pose, et quand il y a le contre-champ, il se repose. Ça sera pour plus tard pour Nicolas Doyle. Pierre, chaque mois... Ça vous intéresse pas, ce que j'ai vous... Si. Je vois bien, je vous dis un truc, vous faites... Bon, Pierre... Il enchaîne sur non, Pierre. Mais c'est pas ça, c'est que Pierre, chaque mois, s'attache à nous faire vivre les grands moments d'une année. Non, mais c'est pas ça, mais je vais quand même sur Pierre. Fais encore gaffe. Un mot de travers. Moi, j'ai rien dit. T'as vu, je dis plus rien. Michel de Bourgogne, et la cassette est prête. J'ai plus qu'à appuyer sur le bouton, il y a Michel de Bourgogne qui arrive comme ça. What a thing on the bouffant. Merci, Franck Broca. Notre réalisateur est d'accord. Juste pour montrer l'exemple, Michel de Bourgogne.
I am Duncan MacLeod of the Clan MacLeod. I am Michel de Beaugan. Dead is what you'll be. Do not leave me, lads. So young to be such a fool. Ce que je veux voir, c'est quand l'épée se lève et qu'elle part comme ça. Ce qui est terrible, c'est le bruit n'est pas du tout synchro avec l'épée. On entend le bruit avant qu'il sorte l'épée. On entend fing. Je sais pas si on peut revoir, mais ça, faut pas exagérer des bonnes choses. Mais c'est quand même une scène culte. I am Michel of the Bourgogne. I am Michel de Bourgogne. Bon, allez, on va enchaîner tout de suite avec Pierre Tchernia. Pierre, chaque mois, vous nous faites découvrir une année ou redécouvrir une année. Ce soir, c'est l'année 81 avec ses moments forts. C'est l'année 81. Et l'année 81, il y a une émission qui a commencé, qui s'est arrêtée malheureusement assez vite. C'est La Chasse au Trésor. Il y a 22 ans, hein, 81. La Chasse au Trésor est une émission, est une invention de Jacques Antoine, qui est un homme qui a inventé beaucoup de jeux. Et il a trouvé, pour l'interpréter, un homme tout à fait remarquable, disparu, Philippe de Dieuleveux. Je rappelle rapidement le thème. Il y a à Paris, dans un studio, un présentateur et un couple. Et puis ils ont des dictionnaires, ils ont des cartes de géographie, ils ont des livres. Et ils doivent aider, par le son qu'ils envoient, quelqu'un qui va chercher les trésors. Ne me regardez pas, je n'ai rien mais, fait, Pierre. Mais pas du tout. C'est parce que j'ai besoin de ces yeux bleus. Bah, j'y vais, alors. Bleus comme l'acier de notre ami de Bourgogne. Et j'avais besoin d'un regard. Voilà. Or, il y en a des millions. 81, l'année de la chasse au trésor. Je me mets à la porte comme lui. Et vous partez en jute libre. Oui. Je le vois. Il se prépare. À plat ventre, dans l'espace. Philippe ! Mais oui, je vous écoute, je vous entends. Vous avez déclenché votre parachute ? Oui, heureusement. Heureusement, sinon je ne vous parlerai pas à l'heure actuelle. Je me prends l'hélicoptère, vas-y, vite, c'est bon. Vas-y, ok. Philippe, vous avez le drapeau ? Je viens de récupérer le drapeau. Philippe ! J'y suis presque. Attention ! Vous l'avez perdu ? Stop ! Je pense qu'il est en train de tirer. Stop ! Donc, dans les derniers jours de juin 1425, les Malouins vers délivrer l'archange assiégé, on a trouvé la clé, c'est la clé de la trahison. Je l'ai ! Dans le machicoulis du trou du chat, attention, Philippe, 45 secondes. Je l'ai déjà ! Je l'ai ! Philippe ! J'ai le trésor ! Où êtes-vous, s'il vous plaît ? J'ai le trésor ! Vous avez la tour du chat ? J'ai le trésor. Ça doit être ici. J'ai le trésor. On va la montrer. Allez. Oui. Stop, on la met. Trésor. Vous avez un sablier, Philippe ? J'avais un sablier. Et alors ? Il faudrait qu'il le porte au petit. Oui, il va y arriver. Oui, il a pris le tronc. Je traverse avec lui maintenant. Il faut déposer devant le Benjamin de la famille. Hein. Il est à 2 mètres, le Benjamin. Oui. Même s'il n'a pas faim, ça fait rien. Oui. Arrive. Le gros éléphant a toujours le tronc qui tue à sa bouche. Attention, il va le déposer. C'est fou. C'est une émission de fou. Bonjour. Petit éléphant. Fantastique, ça. Quatre ans plus tard, en 1985, il s'en va hors émission, il s'en va dans le Zaïre et il prend les rapides très dangereux du fleuve Zaïre avec 6 compagnons. Il y avait un photographe de Paris Match qui était dans l'embarcation. L'embarcation est emportée par les rapides et on ne les retrouvera pas. Tout ça est resté un mystère. En tout cas, ces hommes sont morts et lui a fini de faire ce travail qu'il faisait si bien, avec tant de vérité, de force, de courage.
Alors, 80, le 10 mai 80. Alors là, c'est un document que je voulais revoir, moi. Mais vous allez le supporter. Le deuxième tour des présidentielles, présenté par El Kabach et Moujotte. Ah. Et je me souviens très bien de ce qui s'est passé, que vous allez voir, c'est qu'ils n'ont pas dit le nom du gagnant à l'heure précise. Ils ont, et on voit une image où on voit apparaître le crâne d'un homme chauve. Or, ils sont chauves tous les deux. Et donc, on met 4 secondes pour reconnaître que c'est Mitterrand qui a gagné. 5, 4, 3, 2, 1. François Mitterrand est élu président de la République. C'est incroyable cette image parce que tout le monde s'en souvient. Pierre ? La disparition de Diana était un drame international. Et ça va être l'occasion en 81 de revoir le mariage. Vous allez voir comme elle est belle et comme la cérémonie est empreinte de grandeur et de luxe. Alors voici donc le 29 juillet 81, le mariage de Diana et du prince Charles. Voici l'instant, voici le moment. Cette jeune femme que le monde entier attend avec le Lord Spencer, ancien écuyer de George VI et de la reine Elisabeth, qui s'en va discrètement pour que le monde entier puisse voir Diana dans sa splendeur. Je ne suis pas spécialiste en vêtements, je ne saurais vous en donner tous les détails, je découvre cette robe. Lady Diana Spencer entre au bras de son père, le 8e comte Spencer, en la cathédrale Saint-Paul, d'où elle ressortira princesse de Galles. Ils sortent sous les acclamations, sous les vivas de la foule, et où nous voyons Diana, princesse de Galles, dans ce que j'appellerais la majesté éclatante de sa beauté. Commentaire de Léon Zitrone. Et pour finir, une chanson, Gainsbourg et Catherine Deneuve qui chantent « Dieu est un fumeur de Havane ». Et il la drague. Dieu est un fumeur de Havane. Alors après ce dieu mythique, on va continuer tout de suite avec une tradition des enfants de la télé. Elles sont nées dans les enfants de la télé, sont les petites annonces d'Elysée Moon. Et ce que les gens ne savent peut-être pas, c'est que vous êtes co-auteur de ces petites annonces et vous avez souvent joué à l'intérieur de ces petites annonces. Vous êtes avec nous ce soir, on n'a pas résisté au plaisir d'en regarder quelques-unes. Voici Franck Dubouc. Je ne sais pas pourquoi je vous appelle Dubouc. Dans mon spectacle, je m'appelle Dubouc. Oui, Dubouc, au pouvoir. Est-ce que vous connaissez les petites annonces d'Elysée? Ça passe bien en Grèce. Hein. Non, ça j'ai vu. Connais toute ma carrière. Quand j'ai commencé à comprendre le français, c'est la première chose que j'ai acheté. C'est la première chose que vous avez regardé pour apprendre le français, les petites annonces d'Elie. Eh bien, ils vont être flattés, les deux. Regardons ces images. Voici donc Franck Dubosc et Elysée Moon. Salut, je m'appelle Jason, j'ai 20 ans. J'adore les balades en forêt, les enfants, les petits chats, les animaux. Ah, j'oubliais, je suis contre le sida et j'écris aussi des poèmes. Moi, c'est Marlon, je suis 22 ans, j'aime les soirées entre amis, le sirop d'orgeat. Et si je devais avoir un défaut, je dirais perfectionniste. Si tu es producteur, écoute un peu ça. Prends-toi ça dans les dents. Ouh. Je partirai parce que c'est toi. Je rentrerai parce que c'est toi. C'est un message pour Johnny Hallyday, le chanteur. Bonjour, Johnny. Hey, Johnny, on est venu te voir chanter à X. Et puis, je peux te dire qu'on n'a pas roté après le concert, hein. Hey, on attend toujours le bisou dans la dédicace. Hey, Johnny, tu nous la joues vedette ou pas? Hey, c'est la Adeline qui te tourne la tête, hein. Poufias. Salope. C'est Jérôme, quand il est venu avec sa province, ben, c'est Jérôme, il est venu avec tous ses techniciens. Et on s'est bien marré à la maison. On en a fait une sacrée partie. Il est sympa, c'est Jérôme. Tu es là, ma chérie? Oui, je suis là, mon amour. Mon mari étant malheureusement atteint de cécité qui l'empêche de voir et n'ayant pas assez de revenus pour faire l'achat d'un chien ou d'une chienne, je suis obligée de m'occuper de lui à plein temps. Mon mari adore la lecture.
nous recherchons éventuellement des livres en braille, car il est impossible de les trouver dans le trou, l'endroit dans lequel nous habitons. Je suis prête, évidemment, à me déplacer. C'est un message d'urgence que je fais appel à vous. T'es sûr que le message est bien passé? Oui, ne t'inquiète pas pour ça. Tu peux me tenir mon parapluie, s'il te plaît? Bien sûr, mon ami. Et je sais que vous êtes en préparation d'une nouvelle cassette pour les fêtes. On va faire la sixième cassette pour les fêtes de Noël plus tard. Et j'ai demandé tout à l'heure à Enrico de venir nous faire quelque chose dedans. Et tant qu'Adriana est là, vous pouvez peut-être lui proposer. Avec plaisir. De venir faire quelque chose dedans. Oui, pourquoi pas. Il faudrait qu'on se téléphone, qu'on échange les numéros pour pouvoir... Oui, bien sûr. Comme tout le monde est fan, Marc, Sacha, tout le monde est fan d'Elysée Moon et de notre ami Franck dans les petites annonces, on n'a pas résisté à rester dans l'ambiance et vous montrer le bêtisier pour voir que le tournage de ces sketchs ne sont pas toujours faciles. Regardez, de gros fourrés en perspective. Bonjour, je m'appelle Jean-Paul. Bonjour, moi c'est Jean-Paul. Par contre, moi c'est Jean-Luc. Ah non. Je représente l'association des dépressifs. Par contre, moi c'est Jean-Luc. Comme vous pouvez le constater, nous sommes des frères triamois. Arrête de chatouiller. Peut-être que vous êtes malade et vous ne le savez même pas. Comme vous pouvez le constater, nous sommes de suicide, être au chômage. Comme vous pouvez le constater, nous sommes des frères triamois. Moi, c'est Jean-Philippe Capaton. Je suis de Villiers-Béziers. Ah, c'est Jean-Luc. Comment vous pouvez le constater? Ça me rend fou, ça. On est tous, tous les trois, attachés. Voilà, comme vous pouvez le constater, Didier Fortin, j'habite Meuville-les-Béziers, région du pain d'épices. Hey! Je suis de la région de Meuville-les-Béziers, près de Poulain. Bonjour, Laurent Conforti. Hey! Bonjour, Jean-Pierre, pas de cas là-dessus. Bonjour, Jean-Patrick, 45 ans, région PACA, Côte d'Azur. Bonjour, je suis Jean-Louis Paquet, dans le cul. Bonjour, je suis Jean-Marie Crépon. Dagui. Bonjour, je suis Jean-Pierre Kraft. Kikette. 50 000 francs. Bonjour, je suis Jean-Marie Crépon. Dagui. Bonjour, je... Rejoignez-nous, dans le cul. Patate. Kikette. On est plus fort, dans le cul. Patate. Kikette. On est plusieurs, dans le cul. Patate. Kikette. Dans le cul. Dans le cul. Notre association a décidé de tirer la sonnette d'alarme dans le cul. Non, dans le cul. Nickel, nickel. Comment ça se passe, les tournages? On sait, on essaie de se faire rire, c'est souvent avec les noms. Les noms de famille, même quand on l'écrit, on n'écrit pas, on dit bon, on met n'importe quoi, Jean-Pierre Bourdin. Et le truc, ce qui nous fait rire, c'est con, nous, c'est quand on rentre devant le rideau et qu'on dit bonjour, je suis Patrick Berthelot, ou n'importe quel nom. Vous mettez beaucoup de temps pour les tourner ? 5 jours en général pour tourner les... pour tourner 60 annonces, 60 petites annonces. Que vous écrivez avec Kelly. Qu'on écrit ensemble, oui, entièrement, qu'on tourne ensemble, oui. Eh bien, c'est là-dessus que nous allons marquer une dernière et courte page de pub. À tout de suite, en compagnie de nos invités, avec beaucoup, beaucoup de surprises, juste après la réclame. Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans cette dernière partie des Enfants de la télé, placée sous le signe du rire et de la casserole. Toujours en compagnie de Sacha Distel, de la sublime Adriana Carambeu, de notre ami Enrico Macias, Marc Lavoine est avec nous, l'excellent Franck Dubosc et Pierre
Tchernia. Tout de suite, comme je vous l'avais promis, on va retrouver le grand, le seul, Jean-Yves Lafesse. Eh bien, madame, faut pas arrêter, faut garder l'entraînement. Hein. Excusez-moi, c'est mon téléphone portable. Oui, j'ai bien compris. C'est mon téléphone portable, c'est pas une cabine. Attendez, pardonnez-moi. Non, non, je vous en prie, c'est mon téléphone portable, j'accroche ça, j'ai le salon de coiffure là à côté. Je ne sais pas, comme j'avais vu là. Ah, mais c'est pas une cabine, c'est un téléphone portable, c'est mon portable. Pardonnez-moi, vous savez pas. Excusez-moi, la rue Chpongyong-Bongyong. Chpongyong-Bongyong. Je connais pas. Ah bon. Désolée. Chpongyong-Bongyong. Chpongyong. Ah. Bonjour. Bonjour, monsieur. Ah, bah, vous êtes avec votre copain, il n'y a que des barbus dans la rue. Monsieur, il y a votre braquette qui est ouverte. Bonjour, madame. C'est vous qui avez appelé, non? Comment? Non, c'est pas vous. Il y a une dame qui s'est pris un moteur de hors-bord sur la tête. C'est pas vous? Non, non, non. Ah bon? On vient d'être appelé, là, avec des pompiers, là. Demandez à la dame, peut-être qu'elle est au courant, non? Ah, on nous a dit, il y a une dame, elle s'est pris un moteur de hors-bord sur la tête. Et... bon, ben, si c'est pas vous, c'est déjà ça pris. Pourvu que ça dure. Ah! Jean-Yves Lafesse, souvent imité, jamais égalé. Toujours aussi drôle. Bien entendu, comme toujours, je dis pas qu'on a gardé le meilleur, mais en casserole, on a gardé vraiment la batterie de cuisine pour la fin. Et on va commencer tout de suite avec une question. Si vous aviez la chance, chanteur ou non chanteur, de chanter avec la star de votre choix, avec qui aimeriez-vous faire un duo? Franck Dubosc. Prince. Enfin, Prince, à côté de vous, il vous arrive aux cuisses. Oui. Justement. C'est pas sur un cube qu'il faut le mettre, il faut le mettre sur vos épaules. Mais pourquoi pas? Vous aimeriez chanter avec Prince? Il est très, ouais, il est très sexe, hein, ce chanteur. Hein. Franck? Là, j'ai les boules. Pourquoi? Vous avez quand même pas les images de mon duo avec Sinatra. Non. On a des images qui datent de 66. Des images où on va voir Sacha chanter. Avec Sinatra? Non. C'est dur à dire, Sacha chanter. Sacha chante une chanson. Et vous parliez tout à l'heure d'une photo que vous aviez chez vous. Une photo, on voit Enrico en pompier. Ben, on a retrouvé cette archive. Et vous allez voir Enrico Macias en pompier. C'est que du bonheur. Il y a les compagnons de la chanson. Il y a les compagnons de la chanson qui vous accompagnent. Et Sacha chante et d'un coup, vous allez voir Enrico qui passe vraiment dans le personnage, en pompier, sur les images en noir et blanc. Magnifique, vous vous souvenez de cette séquence? Oui, oui, comment? Et la petite chorégraphie d'Enrico, c'est vraiment... improvisation totale. Ah bah oui, ben ça, hein, c'est, ouais, c'était c'est pas vrai. La peine de le préciser, on s'en était aperçu, Enrico, regardez. En pleine nuit, une sirène appelle au feu tous les pompiers. Et tout Rio qui se réveille voit brûler l'usine de café. Il n'y a pas de temps à perdre, sinon tout le quartier va brûler. Oui, mais voilà, pendant ce temps-là, à la caserne, on entend les pompiers crier. Qu'est-ce qu'on a fait des tuyaux? Des lancers de la chaîne. Qu'est-ce qu'on a fait des tuyaux? La vie qui nous défend. Au petit matin, on le devine. Tout le quartier avait brûlé. Il ne restait plus que les ruines. Sur les centaines de mètres carrés. Quand tout à coup dans le jour blême, on est à couvrir un pompier. Qui s'est crié le chien d'avoir du capitaine? Vous dire de ne pas vous énerver. Ça vous fait plaisir? On sent quand même que vous avez fait les 400 coups tous les deux. Et on sent que vous vous amusiez dans ces émissions-là. Hein. C'est-à-dire, c'était des émissions où il n'y avait pas de promotion, d'abord. C'était vraiment entre copains, jeunes, moins jeunes, anciens, connus, moins connus. Et il y avait des numéros comme ça qui étaient presque improvisés, sauf les costumes qui étaient soigneusement préparés. En tout cas, ouais. Merci pour toutes ces chansons qui font désormais partie du patrimoine, hein, il faut le dire franchement. Hein. Alors, on a vu que Franck était champion dans la sitcom anglaise, hein, on l'a vu, hein, champion émérite, j'ai envie de dire. Mais Marc se débrouille aussi pas mal dans son genre, puisqu'en 81, vous avez joué Alain Fournol. Oui.
C'est pas dans Joël Mazard. Non, non, Pause, Pause Café. Café. Pause Café. Vous connaissez Pause Café? Pas du tout. C'est un feuilleton qui avait lieu en France et qui était avec Véronique Jeannot, une grande comédienne française, et qui a marqué toute sa génération. Elle était conseillère d'éducation, c'est ça? Ça passait pas en Grèce, moi. Ça passait pas en Grèce, c'était non? C'était quelle année? C'était 80. 81. Il était tout jeune, il avait quoi, 25, non, 26 non, ans? Non, mais vous n'avez pas pu voir, Adriana. J'étais pas née, Adriana. Vous j'étais née, mais j'étais pas... Alors racontez-nous cette aventure Pause Café. Elle est géniale. Oui, 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 bien sûr. Ben, Pause Café, c'était... mon premier feuilleton à la télévision, j'avais 17 ans. Et puis voilà, je suis rentré dans le bureau et puis il y a un monsieur qui s'appelait Serge Leroy qui était de dos en train d'écrire des trucs. Il m'a regardé, il m'a fait « Tu veux faire du cinéma ?» Je lui ai dit « J'aimerais bien. » Il m'a jeté le... comme ça, il m'a donné le texte. Il m'a dit « Voilà, bah, rendez-vous la semaine prochaine, tu es engagé. » Ce sont des grands souvenirs parce que c'était... j'avais 17 ans, voilà, c'était mes premiers pas devant une caméra, quoi. Mesdames et messieurs, Pause Café, ça date de mars 81. Et à l'époque, Alain Fournol proposait de fumer des substances illicites. Ça te dit rien? T'as déjà essayé? Ouais, ça me fait rien. Tu préfères picoler? Franck! Pas mal. Parce que c'était culte! C'était culte, moi, Pause Café, je regardais tout le temps. Ouais, je me souviens, il y avait un personnage, alors, parce qu'il y a eu les Pause Café, après Joël Mazard, ouais, je sais pas qui fait la suite. Florent Pagny a joué dans... Non, ouais, c'est vrai. Un mec qui disait toujours dans la classe, il disait « Ouais, c'est qu'est-ce que je fais ?» Et il y a la prof qui disait « Non, on dit pas c'est qu'est-ce que je fais, on dit c'est ce que je fais. » Bah ouais, bah c'est qu'est-ce que je dis. Ouais. Ce personnage-là. Voilà. C'est des bons souvenirs. Ah, moi, j'adorais ça. Votre dernier album est un énorme succès. C'est probablement l'un des albums de l'année composé essentiellement de tubes, de duos, fort sympathiques. Et là, vous êtes, pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion de vous voir à l'Olympia, mais vous avez eu la bonne idée de sortir un album live, Olympia 2003. Vous connaissez Marc Lavoine, vous aimez ses chansons? J'adore, mais celui-là, je ne connais pas encore. Je vous l'offre. Merci. C'est l'album de Marc Lavoine live 2003. Ce qui est magnifique dans cet album, c'est qu'il est composé d'atmosphères très différentes. Il y a du jazz, de la chanson un peu italienne, de la pop façon John Barry, des influences asiatiques. C'est bien, c'est un voyage en fait. Oui, oui, il y a Swan Massy qui est venu me rejoindre, Shaky Cario qu'on voit pour la première fois en tant que chanteur dans ce disque, qui chante une chanson d'Otis Redding. C'est des amis qui sont venus me retrouver sur scène. Et c'est vrai que j'ai la chance d'avoir eu un album et un live assez riche quoi, musicalement. Je me suis beaucoup amusé. Je reprends surtout les chansons qui ont été extraites, qui ont été des tubes et tout ça. Quoi. Et ce qui est formidable dans les albums live, c'est qu'il y a une chaleur supplémentaire, puisqu'il y a celle du public, ouais. Vous ne chantez pas de la même manière, les arrangements sont différents. Je prends toujours le contre-pied de l'album. Moi, je fais des albums pour écouter plutôt allongé, plutôt à la maison, pour les filles quoi, en général. Et sur scène, au contraire, vraiment, c'est quelque chose de beaucoup plus dynamique. Plus... C'est bien que tu te livres comme ça un petit peu, tu vois. C'est bien de s'ouvrir. Alors, l'album a été co-réalisé avec François Delabrière et Jean-François Berger, c'est ouais. ça ouais, ouais. Je rappelle qu'il y a aussi le DVD du concert qui est à disposition. Si vous aimez les belles chansons dans de belles ambiances, vous voulez bien montrer l'album, s'il vous plaît, Adriana, la caméra qui est en face de vous. Oh, elle est super, Adriana. Marc Lavoine, Olympia 2003, et puis il y a le DVD qui va avec. Merci, Marc. Qu'est-ce qu'elle fait ça bien. Elle est magnifique, Adriana. Allez, Adriana, comme ça, la cassette contre son cœur depuis le début. Vous pouvez la poser, personne ne vous la volera. Non, Adriana. Mais si mon calcul est bon, je devrais avoir un cadeau d'un truc qui vient d'Adriana, parce que tout le monde a eu un cadeau, sauf moi. Ouais. Bon, j'ai toujours mon stylo, mais bon, j'attends la fin de l'émission. Et puis, je peux vous offrir, puisque tout le monde a eu un cadeau, je vais vous offrir l'album Orange Amer d'Enrico Macias. Ah, ça, je veux bien, volontiers, merci. Oui. Mais Sacha n'a rien eu. Qu'est-ce que je peux vous donner, Sacha? Bon, on va trouver un truc. En attendant, je voudrais que l'on accueille une charmante créature. Il s'agit de Cécile Siméon. Bonsoir, Cécile. Eh ben, vous savez quoi, Sacha?
Je vous offre Cécile. Merci. Jean-Paul. Attendez, je vais vous redonner ça. Je crois qu'il y en a un qui va Cécile, pas être d'accord. Cécile, sa spécialité, c'est la publicité. Voilà. Bonsoir, Cécile. Bonsoir tout le monde. Je vais vous mettre d'accord parce que moi, j'ai un cadeau pour tout le monde ce soir. C'est une pub où on vous retrouve, Adriana. Donc, c'est une belle pub parce que vous êtes dedans, mais elle a l'avantage d'être drôle aussi. Et c'est une pub pour la Croix-Rouge. Donc, je vous laisse regarder. C'est une très jolie pub et mignonne et rigolote après. Et tout. Mais c'est important parce que ça fait maintenant plusieurs années que vous travaillez aux côtés de la Croix-Rouge pour aider aux gens à prendre les gestes qui sauvent. Vous connaissez, vous, les gestes qui sauvent? Je ne sais pas très bien, moi. D'ailleurs. Ah oui. C'est pas un truc que je connais, ça, le bouche à bouche. J'ai jamais. Comment ça se passe? Est-ce qu'il y aura un contact buccal quand on. Vous avez appris à le faire, vous avez eu une formation, c'est ça? Je suis devenue formatrice parce que. Ouais. C'est intéressant. Faut que je sache de faire. Oh non, oh là, je vous vois venir. Non, moi, je suis pas intéressé par ce genre de trucs. Et puis, voilà, mais c'est passé déjà à la télé. Vous n'avez pas appris. Je vous jure, j'étais en Amérique. Ça fait maintenant plus d'une heure qu'elle a sur elle. Autant elle a reposé l'album de Marc Lavoine, autant votre DVD, elle le tient précieusement contre son corps. Et j'ai l'impression comme un bébé qu'elle porterait en elle. Un petit peu comme quelque chose qui serait toi et moi. Quelque chose. C'est marrant, je viens de vous tutoyer. Comme si on se connaissait depuis plus longtemps. J'ai l'impression que la prochaine cassette de Franck, c'est toi, Adriana. Alors, on regarde tout de suite ce clip de la Croix-Rouge, d'accord? Allez. Très bien, Cécile. Excusez-moi encore, j'étais bavard. Oh, bref. Samedi 17 et dimanche 18 mai, c'est la quête nationale de la Croix-Rouge. Mais si Adriana n'est pas là, c'est Robert qui s'en chargera. Ou Bernard, Gisèle. Bravo. Cécile, autre chose. Oui, alors là, on va suivre trois pubs sympathiques où là, on se retrouve tous un peu, parce qu'on a tous été quelquefois dans la vie dans des situations gênantes où on aimerait disparaître. Je pense que ça a dû vous arriver à tout le monde, j'imagine. Hein, des gaffes, des choses horribles. On fait des énormes à chaque fois. Voilà. Oui. Les doubles appels sur les téléphones. Vous savez, quand on est avec... Allô, Arthur, ouais. Salut, ça va? Attends, ne quitte pas, j'ai un double appel. Allô, ouais, Ellie? Ouais, je suis avec ce connard d'Arthur en ligne. Allô? Ah, j'ai pas réussi à faire mon double appel. Ça arrive, ça aussi, sinon. Alors, les moments de solitude. Donc, c'est des petits moments comme ça que l'on va voir. La première pub, c'est pour une compagnie aérienne. La deuxième, c'est un magazine féminin. Elle est très mignonne. Vous allez tous noter le petit souci de la jeune femme. Et pour la troisième, c'est une chaîne du câble. Voilà, c'est des grands moments de solitude, comme vous dites. Regardons. Anti-blushing pills, do they work? Read our exclusive on the latest lifestyle drugs in November Women's Health magazine. Sir, there to read your meter?
de solitude. Oui, il y a ces moments de solitude, vous savez, dans l'ascenseur, se retrouver avec une jolie femme, comme ça, puis tout à coup, il y a un petit P qui part comme ça. Il n'y en a pas un qui se regarde, et le meilleur truc dans ces cas-là, c'est de regarder la femme, si c'est vous, et de lui faire « je dirais que c'est moi ». C'est énorme. Vous, je crois, en regardant cette publicité, vous m'avez dit « j'ai un copain qui s'est arrivé ». Non. D'arriver lui dans un dîner. J'ai l'impression que vous riez, ça vous est déjà arrivé ou quoi? Ça m'est arrivé, il y avait un dîner, mais je vous raconte pas, avec des généraux, des ministres et tout ça. Et ils étaient très, très, très âgés. Et j'avais à côté de moi un ancien général. Et c'était un dîner vraiment ennuyeux, comme c'est pas permis. Personne ne dirait, il y a un silence de mort. Et on entendait le bruit des cuillères, des fourchettes, des couteaux et tout. Et d'un coup, on entend un P, mais alors... fort. Et le général qui est à côté de moi, je dis bien ce salaud, je dirais pas son nom, il fait « Oh, ça arrive à tout le monde, monsieur Mathias. » Quelle horreur. Cécile, autre chose. Oui, on va finir avec des petites pubs sur vous, les hommes, enfin sur vos réactions. Donc, je ne sais pas si vous avez remarqué, ces dernières années, on a tendance à vous plaindre en disant que les femmes sont devenues trop si ou trop là et que les hommes ne savent plus trop où ils habitent. Enfin bref, tout ça est archi faux, vous allez le voir, les pubs le prouvent. Ils sont toujours aussi manipulateurs et faussement romantiques. Non, mais c'est vrai, ce que je dis. Vous me regardez quand vous dites ça, c'est quand même inadmissible. Vous avez un regard un peu manipulateur, faussement romantique. Non, c'est pas vrai, c'est que c'est vraiment... Oui, comme tu prends, là, enfin, t'as du point. Non, on se connaît pas, en plus, donc je juge comme ça. Vous n'êtes jamais allé en Grèce? Il y a tous mes films qui passent en Grèce. Il y a trois stars en Grèce. Nana Mouskouri, Nikos et Franck Dubosc. Hein. Et Demis Roussos, s'il vous plaît. Donc, je vous laisse voir. C'est une première pour un serveur Internet, une deuxième pour un journal, et la dernière, c'est pour un bouquet de chaînes de télé. D'accord. Et voilà, je vous laisse voir. Regardons. Als je geen keus hebt. Dat zal je met de kabel niet snel gebeuren. 1001 programma's gewoon bij je thuis. C'est tout pour ce soir, Cécile. Merci beaucoup, Cécile Sidon, mesdames et messieurs. Et alors, depuis le début de l'émission, nous nous délectons des sketchs issus de la cassette que vous pouvez montrer à la caméra. Elle est formidable en téléachat. Les pour-toi publics de Franck Dubosc. Celui qui aura conquis le cœur peut-être d'Adriana, qui déjà, dès ses vacances en Grèce, vous avez repéré. Et pourtant, vous resterez pour nous un grand séducteur. Alors, un petit cadeau bonus. Voici un sketch que vous avez écrit, réalisé par... Alors, comment il s'appelle le réalisateur? Jean-Philippe Blim. Toujours tiré de cette cassette. Voici Franck Dubosc, séducteur. Chante, chante, chante ce point qui te plaît. Si tu... J'ai oublié de mettre ma chemise. Où ai-je l'habite? La tête. Le séducteur n'a pas que la tête en l'air.
Alors d'abord, il y a une chose que tu dois savoir, c'est que le séducteur a une toute petite caquette. Bah oui, sinon il serait pas séducteur, il serait casé depuis longtemps. Un séducteur avec une grosse caquette. L'hygiène bucco-dentaire est un des principaux soucis du séducteur. Oh, pardon, pas moi. Hey, bonjour, jeune secrétaire de direction. Cendrillon ! Oui, je sais, je ne devrais pas faire le premier pas, mais bon, le séducteur est romantique. Mademoiselle ! Viens là, toi. J'espère que tu as remarqué que séducteur rime avec fleur. Bonjour, monsieur. Combien pour 50 roses ? 160 euros. Je veux dire, combien de temps pour que ça pousse ? Vous avez une petite amie ? Oui. Tenez, donnez-lui mon numéro pour faire l'amour. Pas le mercredi, je fais judo. Merci, à bientôt. Ouais, le séducteur a horreur de perdre son temps. Oui, allô, Caroline ? C'est Steve, le chanteur américain. Non, mais voilà, il me restait 2 minutes sur mon forfait week-end. Et je me suis dit que ça te ferait plaisir qu'on les passe ensemble. Oui, le séducteur est très généreux. Allô ? Bon, écoute, je vais devoir te quitter. Je t'embrasse très fort. Et je t'aime. Oh, tu m'as fait peur, toi, dis donc. Comment tu t'appelles? Oh, t'as mangé du fromage, je me trompe. Ah oui, j'ai oublié. Le séducteur est très con. Pourquoi j'ai dit ça? Hé, attends-moi, machine. Voilà, nous y sommes, dans un instant. Un fou rire signé Jean-Yves Lafesse, mais auparavant, nous allons remercier nos invités, à commencer par Sacha Distel. Alors, vous avez tous les albums des uns et des autres. Sacha Distel, double album, Envers et Contre vous, et But Beautiful, un anglais, un français, de magnifiques chansons. Merci d'être passé. Merci. Elle est ambassadrice de la Croix-Rouge. Elle est sublime. Merci, Adriana. Mille merci. Il fait partie de la famille, vous le savez, son album Orange Amère comporte 12 sublimes titres. Mesdames et messieurs, ce fut un plaisir que d'accueillir Enrico Macias qui sort au mois de novembre aux Élites de Paris. C'est un fidèle des enfants de la télé. Il s'agit bien entendu de Marc Lavoine dont l'album live et le DVD sont encore disponibles. Et nous, on adore aux enfants de la télé, Marc Lavoine. Il restera pour nous Michel de Bourgogne. Avant de voir Jean-Yves Lafesse, je vous propose de redécouvrir ce moment, cette tirade culte désormais. I am Michel de Bourgogne. Franck Dubosc avec bien entendu les Pourquoi Public et enfin Pierre Magic Chernia. Tout de suite, voici à nouveau Jean-Yves Lafesse. Regardez bien, vous allez découvrir un personnage étonnant, le plus grand mangeur de tarte aux poils de Cabourg. Le voilà. Bonjour. Voilà, le plus grand mangeur de tarte aux poils de Cabourg. Ah, poil, ah, poil, ah, poil, ah, poil, ah, poil. Attention, laissez passer monsieur, parce que sinon il va rayer vos casseroles, je vous préviens tout de suite. Attention mesdames. Attention madame, laissez passer monsieur, sinon il raye votre casserole. Excusez-moi, il y a votre diaphragme qui est tombé. Ah, les problèmes de prostate, c'est quelque chose, hein. Hein ? La prostate, c'est embêtant, ouais. Ici, tous les sportifs sont prêts pour la Coupe du Monde de football. Au bar des sports, par exemple, on s'entraîne à fond les ballons. Et pour la Coupe du Monde, hip-hip-hip ? Wow. Pour Muxadi. Ce sont sur ces images que nous allons nous séparer. Merci pour votre gentillesse et votre générosité. Et à très bientôt. Et comme le disait Valérie... Au revoir. Eh bien voilà, j'espère que vous avez passé une bonne soirée. On se retrouve le mois prochain avec un enfant de la télé spécial comique avec entre autres Gad Elmaleh, Danny Boone, Patrick Bosso, Titoff, Alexandra Lamy et 1000 autres surprises. Alors, bonne fin de soirée sur TF1 et à bientôt.